Et déjà pour très bientôt le déploiement de la force de la SADC pour imposer la paix dans la partie est de la RDC. Un accord portant statut de cette force a été signé devant Félix Tshisekedi, le président de la République. Et puis, l'Afrique de l'Est veut se doter d'un satellite. C'est la communauté sous-régionale qui a fait cette annonce. L'objectif, fournir des services Internet de haute qualité aux services gouvernementaux. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Géopolis Télévision. Le déploiement de la force de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, dans la partie est de la République démocratique du Congo n'est plus qu'une question de temps. Ce vendredi 17 novembre, il s'est tenu à Kinshasa en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, la cérémonie de la signature par la partie congolaise de l'accord portant statut de cette force. Suivez. Selon les informations de la présidence de la République, ce déploiement de la force de la SADC, c'est pour très bientôt. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a laissé entendre que le gouvernement congolais s'engage ainsi à mettre à la disposition de cette force les facilités diplomatiques liées à ce type d'intervention. Cela matérialise aussi l'engagement de la SADC à déployer sa force en RDC, dit-il. Enfin, poursuit-il, cet accord qui vient d'être signé définit l'objet de la mission de cette force régionale. Celle-ci va être déployée pour appuyer l'armée congolaise à combattre et éradiquer le M23 et d'autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité en RDC. Le déploiement de la force de la SADC intervient à un moment crucial où il se constate l'intensification des affrontements entre les forces loyalistes et le M23 soutenu par le Rwanda, les rapports d'experts indépendants et ceux des Nations Unies faisant foi. Pendant que cet avènement des contingents des pays de l'Afrique australe se dessine, la RDC a déjà décidé du retrait de la force onusienne après près de 30 ans de présence, mais aussi de la force de l'EAC après plus d'une année de présence en terre congolaise dont le mandat expire en décembre 2023. Et Kinshasa ne compte en aucun cas renouveler ce mandat, sauf grand changement. Bus Transco monté en RDC, le gouvernement congolais vient de recevoir un lot de 21 bus destinés au transport en commun dans le pays. La cérémonie officielle a eu lieu en présence du premier ministre Samalou Kondé. Ce vendredi, c'était à Limité, 2e rue, dans la capitale congolaise. Inauguré en juin 2023 par le président de la République Félix Tshisekedi, l'usine de montage des bus Mercedes-Benz pour la société Transco vient de livrer 21 bus aux dirigeants de la République démocratique du Congo ce vendredi 17 novembre 2023. C'est le premier ministre Samalou Kondé qui a réceptionné symboliquement les clés de ces engins de main du directeur général de Supreme Automobile, Harish Jagtani. À son tour, le chef de gouvernement a remis ses dites clés au ministre des Transports, Voies de communication et des Enclavements, Marc Ekila, pour que celui-ci le remette en définitive au directeur général de Transco. La cérémonie officielle pour cet événement a eu lieu à cette usine même de montage dans la commune de Limété, 2e rue à Kinshasa. Plusieurs autres autorités ont pris part à cet événement important, notamment le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, le gouverneur de la province de l'Équateur, la gouverneure de la province du Kassai-Oriental et des agents et cadres de Transco ainsi que de l'entreprise Supreme Automobile. L'actualité de ce samedi nous emmène à Sultani Hotel à Kinshasa où il s'est tenu la première conférence sur le diamant en RDC qui a constitué un cadre unique de dialogue entre les acteurs œuvrant dans ce secteur de diamant. Pendant plus d'une heure, les participants ont échangé et réfléchi sur les défis de la valorisation du diamant en RDC et sur la manière dont il faudrait rendre fiable et viable cette filière porteur de croissance économique. Ont participé à ces bifores des potentiels investisseurs américains depuis Washington DC aux États-Unis et des parties prenantes congolaises, Jojo Moulamba et Stanis Samba. Fruit de la collaboration de ML Consulting SARL entre SRA International USA, SRA International RDC, Ministère de Mines et ses établissements publics, l'URC Diamond Conference a permis aux organisateurs d'élargir le débat sur la gestion durable du diamant et la diversification de l'économie congolaise. C'était donc un véritable cadre de dialogue et de coopération entre les acteurs œuvrant dans les secteurs du diamant en RDC et aux États-Unis.
Par rapport à la conférence des diamants, c'est une très très bonne chose parce que les gens doivent s'habituer à savoir que nous devons partir d'un point. Partir d'un point, c'est de ce que nous détenons d'abord d'une manière naturelle. D'une manière naturelle, nous détenons une richesse énorme qui est le diamant, qui doit nous pousser à aller plus loin. Alors, organiser de telles conférences, c'est réveiller la conscience des Congolais, pousser les Congolais à comprendre qu'ils ne peuvent partir que de ce qu'ils détiennent. Lors de sa prise de parole, Didier Lukusa, initiateur de ces projets, a soutenu l'idée de passer d'un diamant de pauvreté à un diamant de développement. L'objectif de DRC Diamond Conference est aussi de mobiliser des capitaux pour investir dans le secteur du diamant congolais. DRC Diamond Conference a prévu des travaux qui vont se passer à Washington entre décembre et janvier pour préparer la première session qui sera en juin 2024. Et au mois de mars, il y aura une délégation des hommes d'affaires américains qui vont venir parce que nous avons pensé comment est-ce que communiquer pour amener au plus haut niveau un certain nombre de personnes qui ont de flux financiers. Parce que l'ambition est qu'au sorti de juin 2024, nous soyons capables de mobiliser plus ou moins 1 milliard de dollars en termes de partenariat privé et public et privé-privé. Cette activité a connu aussi la participation en Zoom Conference de potentiels investisseurs américains depuis Washington DC, capitale des États-Unis d'Amérique. Ces derniers ont salué cette initiative et ont exprimé leur volonté de pouvoir explorer le marché du diamant congolais. Placée sous le haut patronage du chef de l'État, cette activité a permis de promouvoir les secteurs du diamant durable et transparent. Durable et transparent. Durable, c'est-à-dire il faudrait que le diamant puisse amener au développement. Il faudrait que le diamant ne puisse pas être simplement le diamant qui amène les gens à obtenir des richesses passagères, mais des richesses qui soient capables d'engager un développement. Ça veut dire faire en sorte qu'au-delà de ce qu'on reçoit comme argent du secteur du diamant, on puisse l'investir dans ce qu'on appelle la diversification, c'est-à-dire des autres activités alternatives qui peuvent donner la croissance réelle au peuple qui jouissent de diamants. Et ça, c'est une éducation qu'il faut donner pour que dans tout ce qui est en train de se faire, on puisse voir le diamant qu'on reçoit là, l'argent qu'on reçoit, comment on l'investit. On en a parlé aussi, j'étais tout à fait content. Et la transparence, c'est que le diamant doit être dans le circuit légal. Pour les participants à Kinshasa, il est temps de valoriser le diamant congolais. Pour ce faire, il paraît judicieux de créer une école de diamants et d'installer une industrie de taillerie. Comment valoriser le diamant congolais? Alors déjà, moi je pense que comme il l'a dit, c'est d'abord de s'organiser. Je crois que la RDC a toutes les capacités de le faire. Le leadership que nous avons en place avec son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense que l'impulsion qu'il peut donner va déjà arranger les choses. Donc maintenant, nous organiser pour se l'approprier, ne pas laisser les étrangers nous dicter toujours la cadence. Je crois que déjà, nous-mêmes, si on se prend au sérieux, je pense que vous avez compris qu'il a parlé du fait qu'on peut valoriser le diamant déjà en introduisant aussi, par exemple, la taillerie, qui n'est pas développée du tout ici. L'industrialisation aussi, ne pas juste se limiter à l'aspect artisanal. Donc je pense que déjà ces deux points, si on arrive à les mettre en place, ça va déjà annoncer la suite pour le reste. DRC Diamond Conference, qui s'est clôturée par une photo de famille, se donne pour mission de promouvoir une industrie diamantaire pour la paix, la sécurité, le développement, le droit de l'homme et l'environnement aux besoins de son peuple. Autre chose à présent, sur boulevard 30 juin, du 30 juin, les vendeurs ambulants, communément appelés à Kinshasa des chailleurs, dénoncent des tracasseries des agents de l'ordre de l'exécutif provincial qui interdit cette activité. Une situation qui dérange ceux qui, les Kino appellent aussi coopérants, ils ont lancé un cri d'alarme. Suivez. Les policiers nous arrêtent, alors que d'autres jeunes ont choisi d'être des voleurs, mais les forces de l'ordre nous tracassent. Nous autres, on ne peut pas voler, ni aller faire des menaces contre les paisibles citoyens comme font les autres. Raison pour laquelle on vient ici pour trouver un petit rien qui devrait parfois nous aider de rentrer à la maison avec un 10 000 francs
acheter même quelque chose. Si tu rentres à la maison avec 15 000 francs, tu gardes parfois 5 000 et tu utilises 10 000 francs. Ceux-là qui ont parfois des enfants à la maison arrivent quand même à les nourrir et payer le loyer, trouver de quoi se vêtir. C'est ce qui nous arrête à ne pas aller terroriser les autres. Nous les vendeurs de la ville, les policiers nous font vraiment souffrir. Une fois qu'ils t'arrêtent, ils prennent aussi toutes nos marchandises. Avant de te libérer, il faudrait payer une amende. Alors nous voulons que le chef de l'État jette aussi un regard à notre sujet parce que si parfois il y avait du travail, on n'allait pas se livrer à cette activité de vendre sur le boulevard. Nous sommes en train de souffrir. On nourrit aussi nos familles. Mais il y a des tracasseries. Le chef de l'État, nous sommes des chômeurs, on n'a pas d'emploi. On se débrouille pour se battre contre le chômage. Que le chef de l'État nous aide. Les policiers nous interdisent de vendre. Si on vend, on nous arrête. Et pour te libérer, il te faudrait encore payer une amende. Alors on ne sait pas si nous sommes devenus des enfants de la rue. Ils nous arrêtent. Tu voles, ils vont toujours vous arrêter. Maintenant, on s'est dit de chercher un commerce. Ils nous arrêtent toujours. Où vont-ils nous placer? Parce que nous n'avons rien comme travail. On vient en ville, mais on t'arrête. Parce qu'on n'a pas d'autres endroits pour aller. Nous avons besoin d'un soutien parce qu'on est en train de chercher de l'argent. On n'a pas autre chose à faire. Mesdames et messieurs, vous informez, c'est aussi avec la page internationale. Les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont annoncé vouloir établir un satellite de communication commun, objectif fournir des services Internet à large bande et des capacités de diffusion fiables de haute qualité. Selon l'EAC, l'ambition est d'offrir aux services gouvernementaux régionaux un accès sécurisé à Internet dans des situations de crise telles que des cyberattaques et des catastrophes naturelles qui endommagent l'accès à Internet terrestre. Suivez. Les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont décidé d'investir dans la mise en place d'un satellite pour fournir Internet à toute la sous-région. Cette décision, prise lors de la réunion ministérielle du groupe de développement de l'infrastructure, des technologies de l'information et de la communication, qui s'est tenue le mercredi 8 et jeudi 9 novembre à Nairobi au Kenya, vise à offrir aux services gouvernementaux régionaux un accès sécurisé à Internet dans des situations de crise telles que cyberattaques et des catastrophes naturelles qui endommagent l'accès Internet terrestre. D'après Internet Society, le taux de pénétration d'Internet en Afrique est de 43% depuis décembre 2021. Il existe cependant des différences substantielles au sein des régions. En Afrique centrale, 39% de la population vit en dehors d'une zone de couverture du haut débit mobile, alors que ce chiffre est de 16% en Afrique de l'Ouest, 13% en Afrique de l'Est et 12% en Afrique australe. Pour le pays membre de la CAE, ces projets de lancement du satellite viendront donc en renfort aux pays d'Afrique de l'Est, avec un niveau de débit inférieur. Outre ces projets, les États membres de la communauté ont aussi convenu d'un plan commun pour la mise en œuvre d'un protocole d'accord sur la cybersécurité afin de faire face aux cybermenaces émergentes dans la région. Alors rappelons que cette annonce est faite alors qu'en 2022, l'Ouganda a lancé son premier satellite tandis que le Kenya a lancé un premier satellite en 2018 et un autre en 2023, spécialisé sur le renseignement des données des différents domaines comme l'agriculture ou la surveillance de l'environnement. Pour les Soudans du Sud et le Rwanda, ils travaillaient encore sur le moyen de lancer leur propre satellite. D'après la CAE, la solution collective est la plus viable puisque le coût d'un satellite est d'environ 300 millions de dollars, ce qui est coûté pour le pays individuel. Et puis, en Afrique centrale, des études ont estimé le potentiel hydroélectrique
à 150 000 MW, représentant 58% du potentiel africain. Toutefois, 600 millions d'habitants manquent d'électricité sur le continent, d'où la difficulté de créer un marché d'électricité de libre-échange au travers des boulevards énergétiques interconnectés susceptibles d'œuvrer pour le bien des populations et le développement des économies et des sociétés. À l'heure de la célébration des 20 ans d'existence du pôle énergétique d'Afrique centrale, le bilan demeure mitigé et des efforts sont réclamés. Les acteurs du secteur de l'électricité s'y sont réunis à Brazzaville pour trouver des solutions pratiques visant à convertir le potentiel hydroélectrique énorme de l'Afrique centrale en opportunité d'investissement à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du pôle énergétique d'Afrique centrale. Avec un taux d'électrification estimé à 13% en Afrique centrale et jugé très faible, les bilans de deux décennies du PEAC semblent mitigés. Avec ainsi le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, les directeurs généraux des sociétés d'électricité des pays membres du pôle énergétique d'Afrique centrale en présence de partenaires financiers tentent ensemble de valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique de l'Afrique centrale du 13 au 16 novembre 2023 à Brazzaville. Objectif visé, satisfaire à l'horizon 2030 toute forme de demande en électricité au sein et en dehors de l'espace CEAC à travers des boulevards énergétiques interconnectés et des marchés de libre-échange électrique. Le pôle énergétique d'Afrique centrale constitue donc la réponse appropriée à la sous-électrification et aux défis d'énergie électrique en Afrique centrale. Ce dispositif a été créé en 2003 à Brazzaville. Il résulte de la dynamique engagée par les 11 pays de la sous-région et leurs sociétés d'électricité pour construire ensemble la stratégie de développement de leur secteur d'énergie dans une optique d'intégration régionale et de développement socio-économique durable. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. On va rappeler les différents titres. C'est pour bientôt le déploiement de la force de la SADC pour imposer la paix dans la partie orientale de la RDC. C'est un accord portant statut de cette force a été signé devant le président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis l'Afrique de l'Est veut établir un satellite commun. C'est la communauté sous-régionale qui l'a annoncé. Objectif, fournir des services internet de haute qualité aux services gouvernementaux de la sous-région. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.